moi, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes vacances. Moi, je suis de retour, toujours avec le soleil et la chaleur. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais vous proposer la recette d'une tarte soleil. Je ne sais pas si vous connaissez la tarte au pesto qui est trop trop bonne. Et en plus, elle est super rapide. Je l'ai fait avec une pâte achetée dans le commerce parce que... Voilà, pour vous montrer qu'on peut la faire avec des pâtes du commerce ou une pâte faite maison. Donc de suite, les ingrédients et... trop bonne. Pour les ingrédients, il vous faudra deux pâtes feuilletées. Donc vous les achetez en commerce ou vous les faites vous-même. Une boîte de pesto et un œuf battu ainsi qu'un petit peu de graines de sésame grillées. Donc vous déposez une première pâte feuilletée, ensuite vous y mettez le pesto complet dedans. Vous l'étalez bien et vous déposez la deuxième pâte feuilletée. Puis ensuite, on va passer à la décoration de la tarte soleil à 36 degrés. Voilà, vous déposez le verre au milieu et c'est ce qui nous permettra de pouvoir faire les découpages tout autour de la tarte soleil. Et puis vous passez de la dorure dessus. Voilà, ensuite on découpe délicatement. Donc là, on prend la pâte et on fait des petites torsades, tout simplement. Alors vous dorez deux fois la pâte, une fois avant cuisson et une fois mi-cuisson. Et pour avoir un petit goût croustillant avec les graines de sésame, c'est le petit goût grillé en plus. C'est ce qui rappelle l'été. Donc là on met la tarte au four à 180 degrés quelques minutes, juste pour qu'elle puisse dorer un petit peu. Ensuite on la ressort du four, on repasse un coup de dorure dessus et on la remettra au four toujours pareil, 180 degrés, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment dorée. Et voilà, notre tarte soleil, qui ressemble à un soleil d'ailleurs, est terminée. Donc je vous souhaite bon appétit et puis un gros bisou, à bientôt, ciao!